T'arrives ici, t'as un poste de contrôle avec un petit garde qui est dedans, il te laisse, il monte ça comme ça, tu peux passer. Le magnifique pont fini le 8 juillet. Regardez-moi ça. Il y a un peu beaucoup de plantes et de lianes dessus, hein, mais ça donne un petit style quand même. Tout en cuivre. Donc on le traverse. Ici, vous voyez, c'est l'île de la prison. Ceci, c'est la prison. Parking employé et conjugaux. Un petit bus de prison. Ça, c'est des tours de garde qui surveillent la cour et tout le périmètre. Là-bas, il y a un petit fort. Et cette partie-là, c'est le... La maison, ben, c'est le bloc des cellules. Ok. Un deuxième petit poste de contrôle ici. Il te fait rentrer. Tu parques ici. Et à partir de là, tu vas ici. Et tu traverses avec le petit traversoir qui est là. Fini le 29 juillet. Donc on va aller voir ça en premier. Ici, ça c'est comme un petit garage avec une espèce de van de police, une van spéciale. Garage de personnel, je sais pas trop là. Tu sais, voilà. Puis ici, il y a un petit bureau. Oups. Un petit bureau de gestion, je sais pas trop. Bref. Donc, on va commencer la visite au ciel. Ah oui, il y a le petit bus ici. Petit bus de prison. Voilà. Bon. Vous voyez ici, comme ici, tout le long, c'est des doubles clôtures avec des barbelés dessus. On arrive ici, on peut aller personnel autorisé seulement ce côté là ou ce côté là en premier. On va commencer par là. Tiens, ça regardez, ça c'est pour que les c'est l'entrée parce que les le personnel arrive pour la sécurité. Vous voyez, ça c'est le scanner à objets. Tu mets des objets sur le tapis, puis il roule, puis il se fait scanner, puis il se ramasse à l'autre bout ici. Puis les gens derrière, tu sais, et tout. Puis ici, ça c'est un petit salon de personnel. Ben chill ici. Avec une petite table de, pour le dîner. Petite salle de rangement. Ici, une petite salle de bain. Et ça c'est la salle des caméras. Avec un petit PC. Le bouton urgence. Quand tu vois quelqu'un s'échapper, tu passes dessus ça. Beau petit bureau. Fait que voilà, c'était l'étage un peu plus personnel, haut placé, ou je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, ouais. Puis ici, c'est les visiteurs ou les gardes qui rentrent par là chaque jour. Ils mettent leur truc ici. Ils se font scanner ici sur eux, le X-ray, métal détecteur. Voilà, tu prends tes choses là. Et par ici, c'est les visites conjugales. Par ici, c'est l'entrée de la prison pour accéder au reste. On va aller ici en premier. Visite de la prison. Qu'est-ce que j'ai là? Visite conjugale. Enregistrement pour visite conjugale. Ici, tu donnes ton nom et. C'est pour qu'ils sachent t'es qui. Puis t'arrives ici, tu. Il y a 5 stations de visite conjugale. Regardez, c'est comme. C'est comme dans les films. Il y a ton. Ta personne que tu connais ici est en prison qui te parle à travers. Un petit mur. Ben, un petit. Ben, des grillages, là, comme ça. Là. Ça, c'est bien fait.
C'est 5 stations, ouais. Et l'autre bord, tu peux y accéder par une porte qui était derrière la porte qui est là pour accéder à toute la reste, là, voilà, ici. Visite conjugale côté prisonnier, c'est ça, c'est côté prisonnier ici. Ça, c'est l'infirmerie. Avec le coup que tu te fais tabasser dans ta cellule, tu te fais tabasser dans la cour, tu en viens ici, là. Par ici, c'est la zone des cellules. Ça, c'est des petites cellules d'isolement. T'es tout seul à ton petit cubicule. Il y en a juste 4, mais ici, il y a beaucoup de choses. Ici, il doit avoir, je pense, c'est genre 40 cellules et plus. Il y a toute la même chose dedans. Ça, c'est ouais, une petite toilette avec le couvert fermé. Un lavabo, puis un double lit. Voilà. Et 2 personnes par cellule. Avoue que c'est quand même familier, hein. C'est comme dans comme dans les films, c'est le cliché, les prisons, comme une espèce de grand méga couloir 2 étages ici. C'est ça, t'as 2 étages, tout en ligne comme ça, là. Et sinon, il y a une cellule qui est spéciale. Parce que, regardez, celle-là est pas pareille, hein. Ici, ils ont déplacé la toilette, puis ils ont creusé une trappe ici. Oops. Et devine quoi, il y a un tunnel. 2 pioches qui ont creusé. T'arrives ici. Il y a un petit buisson qui cache ça. Et là, il y a un petit radeau en bambou, et voilà. Tu navigues sur les flots jusqu'à ta liberté. Retournons dans la prison. Oui, ici. Ici, c'est les douches. Ben, par là, c'est le vestiaire. Par là, c'est les douches. Les douches communes. Super. Avec plein de savon par terre parce qu'ils ont tout échappé le savon. Ça, c'est les pommeaux de douche. Et les creux dans le sol, c'est le drain pour que toute l'eau s'en aille au milieu ici. C'est évitant, n'est-ce pas? Ça, c'est le petit levier pour que le garde il allume puis qu'il éteigne les douches quand c'est le temps d'arrêter, genre après 1 minute. Et ça, c'est le vestiaire pour te remettre en tenue orange après ça. Voilà. C'était ça pour le bloc de cellules. Par là. Par là. Il y a un portillon en barreau de fer ouvert, bien sûr, parce qu'on veut visiter, tu sais. On peut pas le fermer pour vrai, mais comme, tu sais, c'est ça. C'est fait exprès, en tout cas. Ici, c'est la salle des gardes. Avec des genres de petits fours, micro-ondes, je sais pas trop, ici. Des tables à manger. Il y a 8 gardes. Ça, c'est tout leur nom. Bouliste et Béatrice. Une table de poule, ça, les noms sont drôles. Okay. En tout cas, les petits bâtons, toilette pour homme, femme, voilà. Par ici, elle a une petite portion ouverte, la cafétéria, avec un nombre incalculable de tables. Avec du ragoût bizarre sur les tables et des bols vides partout. C'est triste quand même. Ça fait prison en fait. Ouais. Ça, c'est le bar à bouffe. C'est un œil. De la bouillie verte, de la bouillie rouge. Ça, on dirait des raisins rouges. De la viande avec un peu de verre dessus. Champignons. Ça, j'en ai aucune idée c'est quoi. Puis. Une feuille d'algue. Voilà, c'est le petit coin, madame, qui te donne à manger. La cuisine ici. Du frigidaire avec des fours et des chaudrons. C'est des congélateurs.
Voilà, voilà. C'est assez vaste. La Valar Cour, ouais, ça c'est la Valar Cour. Et notre portion pour que les fugitifs s'enfuient vers la côte, tu sais. Ah, oh, voilà. De l'air. On commence ici avec des petits bancs. Une estrade pour chill avec tes potes. Ouais, un petit banc de rejet ici pour les timides. Ici, tu peux discuter avec le garde qui est en haut. C'est le petit coin muscu. Hein? Il y a des barres à pull-up. Tu fais des tractions ici. Pour les petits, pour les grands. Ça, c'est des barbells avec genre un mètre d'épaisseur de plates chaque barre. Ils sont forts. Hein? Un bench. Un rack à squat avec une petite barre de pull-up aussi là. Ça, c'est une petite barre à curl, je pense. Des petites tables pour les gangs qui se réunissent. Trois tables. Et ça, c'est le terrain de basket, hein. Ce n'est même pas une question d'en mettre un. Le terrain de basket, c'est sûr, voyons donc. Et des petits bancs pour les changements ici. Hein? Il y a genre. Il y a 4 tours sur les. Je sais pas trop combien, 4, 5, 6, 7. Il y a genre 4 tours sur les 7 qui sont juste sur la cour. En même temps, c'est réaliste. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et j'ai tout imaginé moi-même la forme et la couleur et ce qu'il y avait en dedans. Et mon ami Oli, qui était dans la vidéo. De la dernière vidéo, ben lui m'a aidé à faire un peu d'intérieur pour un peu pour les designs de toit pis ça là, design de toit, ça fasse un peu moins tout plat et tout. Mais ça donne bien comme ça, c'est pas obligé d'être trop détaillé non plus. Ouais. Ça ici une petite cour intérieure hein, que tu peux y aller, mais comme c'est toujours chill. C'est nice comme tu fais un building, il fait un rond pis t'as du gazon dedans, c'est comme. C'est cool. Sur toi, ça c'est. Si vous vous demandez, c'est quoi? C'est comme des aires climatisées ou des chauffages. Ou... Et dans les tours, dans chaque tour, il y a ça. Regardez, tu peux. Ben, t'arrives. Vous arrivez de là. Ils gardent les de là chaque jour. Ils marchent qu'à leur tour respective. Ils enclenchent ça. Ça c'est leur sniper. Ils montent en haut. Ils sont à leur poste de surveillage. Et si jamais il y a une urgence, ils font. C'est cool, hein? Puis aussi. J'ai aussi tout fait les barrières tout seul et les tours tout seul. Puis ça, tout ça, c'est sans tuto, hein? Comme d'habitude. Le tout sur une île privée. Ben. Une île, en fait juste une île. Pour que ce soit encore plus super max sécurité. Ça c'est pas trop genre, relié à la prison, mais c'est un petit fort que mon ami a fait. On va aller voir ça. Fort du pénitencier. Tu m'entends colimaçon ici en rond. T'sais. Et tu peux vivre là en fait. Petit observatoire, regardez. Voilà. On va redescendre. On va faire un autre petit survol hein, pour apprécier mon œuvre. Bloc par bloc. Tout pensé ça, hein, tout pensé. Je savais tout exactement comment je voulais faire. Ben, pas vraiment, j'ai un peu improvisé, mais tu sais, vous voyez le genre. Les pneus avec les barreaux de fer pour pas qu'on puisse les briser. Ça a tout d'une vraie prison. Voilà, c'est. C'était pas mal tout. Merci. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes.